Salut, aujourd'hui nous allons faire les points étoiles. Voilà. C'est pas difficile. J'ai déjà fait la chaînette de base. 15 mailles, 15 points pour commencer. Alors, pour faire la maille étoile, il faut piquer les crochets dans les mailles ici de base. Alors, pour commencer, piquer les crochets ici dans la première maille. Tenez le fil sur le crochet dans la maille suivante. Ramenez le fil dans la maille suivante. Ramenez le fil 6 fois. Et pour répéter dans la prochaine et ramenez le fil, et dans la prochaine et ramenez le fil. Comme vous pouvez voir, nous avons 6 boucles ici. En jetez et faites passer les fils à travers toutes les boucles. Une maille en l'air. Ici, nous avons, comme vous pouvez voir, nous avons créé le centre en œil. Et pour faire les prochaines, pendant tous les rangs, il faut piquer ici dans le centre le crochet et ramener le fil. Puis il faut piquer ici entre la dernière et l'avant-dernière maille et ramener le fil. Puis il faut piquer ici en bas, ramener le fil et le tenir sur le crochet. Puis dans la maille suivante, ramener le fil et dans la maille suivante encore, ramener le fil. En jeter et faire passer le fil à travers toutes les boucles. Une maille en l'air. Encore, nous avons créé ici le centre. Donc, nous allons piquer ici le crochet et ramener le fil. Puis, nous allons aller entre la dernière et l'avant-dernière maille. Piquer le crochet ici et ramener le fil. Puis, nous allons piquer le fil ici, ici en bas. Et puis piquer le crochet ici dans la maille suivante et encore une fois dans la maille suivante ici. En jeter et ramener le fil. Une maille en l'air. Ici dans le centre, piquer le crochet et ramener le fil. Entre la dernière et l'avant-dernière maille, piquer et tenez le fil. Ici en bas, piquer le crochet et tenez le fil. Dans la maille suivante, piquer le crochet et tenez le fil. Et encore une fois, dans la maille suivante, piquer et tenez le fil. En jeter et faire passer le fil à travers toutes les boucles. Voilà. Et une maille en l'air. Et encore ici dans le centre, piquer le crochet et ramener le fil. Ici entre la dernière et l'avant-dernière maille, piquer le crochet et ramener le fil. Ici en bas,
appliquer les crochets et ramener les fils. Dans la prochaine, dans la maille suivante, piquer et ramener les fils. Et dans, encore dans la maille suivante, piquer et ramener les fils. Six boucles sur le crochet, en jeter et ramener le fil à travers toutes les boucles. Une maille en l'air, encore ici dans le centre, piquer le crochet et ramener le fil. Entre la dernière et l'avant-dernière maille, piquer le crochet et ramener le fil. Ici en bas, piquer le crochet et ramener le fil. Dans la maille suivante, piquer le crochet et ramener le fil. Et dans la maille suivante, piquer le crochet et ramener le fil. Encore une fois. En jeter et faire passer le fil à travers toutes les boucles. Une maille en l'air. Et pour finir, terminer les rangs, il faut faire une demi-bride. Voilà. Le deuxième rang est la première technique. C'est la technique de deux mailles serrées dans chaque centre du rang précédent. Une maille en l'air et je commence en faisant deux mailles en l'air dans chaque centre créé pendant le rang précédent. Ici, deux mailles ici, dans le centre suivant deux mailles ici, dans le centre suivant deux mailles serrées encore. Et encore dans le centre suivant, ici, deux mailles serrées. Excuse. Ici, dans le centre, deux mailles serrées. Et ici, dans le centre, deux mailles serrées. Je vais terminer en faisant une maille coulée pour former le fil ici dans le... Et pour commencer le rang suivant, il faut faire trois mailles en l'air. Tournez l'ouvrage et encore ici dans la première, piquez le crochet et ramenez le fil. Encore ici, piquez le crochet et ramenez le fil. Encore ici, piquez le crochet et ramenez le fil. Puis nous allons ici, piquez le crochet et ramenez le fil. Et ici, piquer le crochet et ramener le fil. Il faut toujours avoir 6 boucles ici. En jeter et faites passer le fil à travers. Je m'excuse. Dans la première, piquer le crochet et ramener le fil. Dans la deuxième,
piquer le crochet et ramener le fil. Dans la troisième, piquer le crochet et ramener le fil. Et puis, nous allons piquer le crochet sur la première maille ici. Ramener le fil. Dans la deuxième, et ramener le fil. En jeter et faites passer le fil à travers toutes les boucles. Et encore une maille en l'air, ici dans le centre de l'étoile, piquez le fil et ramenez les premières fils. Ici entre les dernières et l'avant-dernière maille du rang précédent, de l'étoile précédente, je m'excuse. Puis ici, en bas, piquez le crochet et ramenez le fil. Et puis dans la maille suivante, piquez le crochet et ramenez le fil. Et dans la maille encore suivante, piquez le crochet et ramenez le fil. En jetez et faites passer tout le fil à travers toutes les boucles. Voilà. Une maille en l'air, encore ici dans dans le centre, piquez le crochet et ramenez le fil. Encore ici entre la dernière et l'avant-dernière maille de l'étoile précédente. Piquez le crochet et ramenez le fil. Puis ici en bas, piquez le crochet et ramenez le fil. Ici dans la maille suivante, piquez le crochet et ramenez le fil. Et encore dans la maille suivante, piquez le crochet et ramenez le fil. Et en jetez et faites passer le fil à travers toutes les boucles. Maille en l'air, encore dans le centre, entre la dernière et avant-dernière maille, ici en bas, dans la maille suivante et dans la maille encore suivante. En jetez et faites passer le fil à travers toutes les boucles. Prochaine étoile. Dans le centre, piquez le fil, piquez le crochet, je m'excuse, et prenez le fil. Entre la dernière et l'avant-dernière maille. Ici en bas, ici dans la maille suivante, et ici dans la maille encore suivante. En jetez et faites passer les crochets à travers toutes les boucles. Voilà. Une maille en l'air, encore ici dans le centre. Ici, entre la dernière et l'avant-dernière. Ici en bas, dans la maille suivante et encore dans la maille suivante. Voilà, en jeter et travailler toutes les boucles ensemble. Une maille en l'air dans le centre de l'étoile. Entre la dernière et demi-dernière maille de l'étoile précédente, ici en bas, dans la prochaine. Et ici, je ne vais pas finir l'étoile. Et je vais travailler
toutes les boucles ensemble, une maille en l'air et une pour terminer une demi-bride. C'est ça l'étoile. Et la deuxième technique, c'est avec les deux demi-brides dans chaque centre d'étoile du rang précédent. J'ai fait deux mailles en l'air et je vais faire deux demi-brides dans chaque centre d'étoile. Encore ici dans le centre, deux demi-brides. Dans le centre suivant, 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 deux demi-brides. Et dans le centre suivant, deux demi-brides. Pour terminer le rang, je vais faire une maille coulée. Et pour commencer le rang suivant, il faut faire trois mailles en l'air et dans la première, piquer le crochet dans la première. Dans la deuxième, dans la troisième, dans la première, dans la deuxième, dans la troisième, et puis piquer le crochet dans la première maille du rang précédent et dans la deuxième. Pour faire les premières étoiles, en jetez et faites passer le fil à travers toutes les boucles. Voilà. Et puis une maille en l'air pour finir, pour créer le centre ici. Et puis encore dans le centre, dans la maille entre la dernière et l'avant-dernière. Maille de l'étoile précédente, et puis encore ici en bas, et puis encore dans la maille suivante, et puis encore dans la maille suivante. Et comme ça, en jetez et faites passer le fil à travers toutes les boucles. Et c'est ça. Voilà l'étoile. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de différence entre les deux techniques de travailler le deuxième rang. Et c'est à vous de choisir de quelle de deux techniques vous allez utiliser. C'est la même chose. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois. Au revoir.